Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeux avec Solarus. Dans cette vidéo numéro 42, nous allons créer un menu d'inventaire. C'est-à-dire que quand on met pause, jusqu'à présent par défaut, alors on met pause avec la touche D par défaut, et quand on fait rien de spécial dans notre code, eh bien ça met le jeu en pause, c'est-à-dire que le héros peut plus bouger, les ennemis ne bougent plus. Par exemple, si je retourne sur une map où il y a encore un ennemi, il s'arrête aussi. Et puis, il faut que j'appuie à nouveau sur D pour être libéré. Généralement, quand on met pause dans un jeu, il va y avoir un menu qui s'affiche. Donc, c'est ce qu'on va commencer à faire dans ce petit tutoriel. Alors, il y a pas mal de façons de faire, mais la façon la plus logique, c'est de créer un menu avec l'API des menus qu'on a vu un petit peu dans des épisodes précédents, notamment quand on a fait des tutos sur le HUD. On a dans le type game cet événement onPaused qui nous prévient lorsque le joueur met le jeu en pause, donc typiquement en appuyant sur la commande pause, c'est-à-dire la touche D par défaut. Et donc c'est le bon endroit pour démarrer notre menu de pause. Et puis on a aussi le onUnPaused. C'est le bon endroit pour quitter le menu de pause. C'est lorsque le joueur va appuyer à nouveau sur la commande pause pour revenir au jeu. Alors on va commencer par ça. Donc là je suis dans le script gamemanager.lua. C'est le script qui crée la partie. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter, ici, maintenant qu'on a créé notre partie, un événement onPaused. Alors il y a des moyens de faire ça dans des fichiers séparés, de façon vraiment totalement indépendante. Le mieux, c'est peut-être en utilisant les metatables, mais on va commencer par un truc simple. Alors ici, on peut soit créer le menu de pause ici, dans à chaque fois que le joueur met pause, soit on le crée même avant, donc pourquoi pas le créer avant et le conserver et le réutiliser à chaque fois que le joueur va remettre pause. Donc pause menu, on va dire, et bah là on va avoir besoin de, ici on va juste démarrer le menu de pause, mais le menu de pause lui-même va être créé dans un autre script. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut même, on pourrait même, grâce au metatables, mettre tout le démarrage du menu de pause dans cet autre script lui aussi. Mais on n'a pas besoin d'aller jusque là pour l'instant. Alors, on aura besoin de ce script. Pause menu builder, on peut appeler ça comme ça. Donc ce script n'existe pas encore. C'est un script qui va avoir principalement une fonction, et cette fonction retournera le menu de pause, va créer le menu de pause. Donc, pause menu builder create, on peut appeler ça comme ça. Et puis, je sais déjà que notre menu de pause, il aura besoin d'accéder à la partie elle-même. Notamment pour pouvoir afficher les bons items d'inventaire. Voilà, donc cette fonction qu'on n'a pas encore écrite va retourner un menu. Donc, lorsque le joueur met pause, on va démarrer le menu. Avec comme contexte, la partie. Et lorsque le joueur quitte le mode pause, donc onUnPaused, sol.menu.stop. Voilà, et maintenant il ne reste plus que l'essentiel du travail, c'est-à-dire créer ce script. Pause menu builder. Ok. Donc, comme souvent dans les scripts, on crée une table et on retourne cette table à la fin. Et cette table va contenir des fonctions. On sait déjà qu'on a besoin d'une fonction create qui va créer le menu et qui prendra en paramètre une game. Donc c'est parti, on va créer
Un menu. Un menu, c'est une table. Il n'y a pas vraiment de type menu. Pas encore en tout cas. Et puis, return pause menu. Et cette table va avoir des fonctions, donc des événements, notamment onDraw qui va dessiner le menu d'inventaire sur l'écran, sur une surface en tout cas. Alors on va faire un menu d'inventaire très basique qui va afficher, on va dire, une grille de 5 par 4 carrés noirs, enfin carrés gris transparents, sur lesquels on aura nos items dessinés. Et puis après, on va mettre un curseur. Donc, on peut charger l'image, enfin créer une surface. Je vais même pas charger une image. Je vais créer une surface pour les petits carrés. Square IMG, on va dire. Qui va être une surface de 24 par 24 pixels. Et qui va avoir comme couleur fill color. Je m'inspire un petit peu du menu de Trillium en fait, pour que ça fasse un truc quand même pas trop trop moche. 20, 20 et 20. Et avec une légère transparence. Item square. Il s'appelle Square IMG chez moi. Opacity 150. Donc là, j'ai juste créé un petit carré gris foncé transparent, légèrement transparent, et je vais l'afficher sur ma surface à chaque fois que le menu de pause a besoin de se redessiner. Oups. Donc draw surface. Donc si je teste déjà ça, je vais avoir juste un petit carré qui va s'afficher en haut à gauche. Parce que j'ai même pas mis de coordonnées, voilà, j'ai affiché un petit carré gris ici. Donc le but c'est de l'afficher plusieurs fois, d'en afficher une grille de 5 sur 4, et puis si possible centré dans l'écran. Alors, il va falloir faire des petits calculs pour ça. On va mettre tout dans les variables locales, ça sera un peu plus propre. On va dire qu'on va faire une variable spacing, qui sera plutôt une constante. 8 pixels entre chaque case. Donc notre case, elle fait 24 sur 24, et puis la case voisine va être séparée de 8 pixels. On peut dire nombre de lignes, virgule, nombre de colonnes égale 5 et 4. On peut écrire comme ça en une seule ligne, mais si ça vous perturbe, vous pouvez l'écrire de façon un peu plus traditionnelle. 5 lignes, 4 colonnes. Et donc à partir de là, on va pouvoir calculer notamment la taille de notre menu. En fait, c'est juste pour savoir où est-ce que je dessine la première case. Donc, ça va être le nombre de lignes. Enfin, non, le nombre de colonnes. Est-ce que je commence par la largeur? Le nombre de colonnes multiplié par. Alors, pour chaque colonne, on va avoir besoin de 24 pixels. Alors pareil, ça serait mieux d'avoir ça dans une variable. Tiens, je vais mettre ça un peu plus loin. Square size égale 24. Square size égale 24. Ok. Donc pour chaque colonne, j'ai square size plus spacing. Parce que j'ai l'espacement jusqu'à la colonne suivante. Moins spacing, parce qu'il y a un espace de moins que le nombre de colonnes.
Ça sera plus clair quand je vous montrerai. Et je pense que c'est ça le bon calcul. Et puis pareil pour la hauteur. La hauteur totale de mon menu va être le nombre de lignes. Voilà, la même chose. Ok, donc à partir de là, je sais où il faut dessiner. Donc on peut faire DST surface get size. Oups. DST width, DST height par exemple. Et donc tout ça pour savoir où est-ce qu'on doit dessiner. Tiens, je vais commencer par dessiner en 0,0 déjà. Juste pour vous montrer quelque chose de visible déjà et que les explications puissent être plus claires. Donc là, je vais faire deux boucles. Pour chaque ligne, for row égale de 0 jusqu'à... je me souviens même plus de la syntaxe. Jusqu'au nombre de lignes moins 1. Et ensuite pour chaque colonne, de 0 jusqu'au nombre de colonnes moins 1. Voilà, on va dessiner. Donc, et puis on va faire ensuite, comme on avance d'une colonne, on va faire DSTX égale DSTX plus square size plus spacing. Une fois qu'on a fini notre boucle sur les colonnes, on va remettre DSTX égale 0. Et on va ensuite mettre à jour DSTY, puisqu'on a terminé une ligne. DSTY égale DSTY plus square size plus spacing. Ok. La seule chose qui reste à faire. Alors, si je ne me suis pas planté, on va voir la grille qui va s'afficher, mais elle va s'afficher en haut à gauche et pas centrée. Ok. Donc, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. C'est l'occasion d'apprendre à comprendre les messages d'erreur Lua. Alors, normalement, il faut regarder la première erreur, mais là. Elle tourne en boucle parce que c'est une erreur probablement qui se produit dans Draw qui est appelée à chaque frame. Mais on peut voir que ligne 22, c'est assez clair. Ah oui, ma syntaxe, elle est pas bonne. Pourquoi je sais plus faire une boucle en Lua? Je suis rouillé. C'était bien une virgule et pas in. In, c'est quand... Oups, for row égale. Mais ça, c'était égal et non pas in. In, c'est quand on passe des itérateurs et tout. Donc for row égale 0. D'ailleurs, on peut très bien commencer à 1 et puis éviter ce calcul. Bon, il y a plein de façons d'écrire du code qui fait ce genre de choses. Hein. On dirait que ça marche à peu près, sauf que j'ai inversé le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Je voulais faire 5 sur 4 et j'ai fait 4 sur 5. Oui, effectivement. 4 lignes, 5 colonnes. C'est mieux. Oups, j'ai redimensionné ma fenêtre sans le vouloir. Ok, donc là j'ai une belle grille maintenant. On n'a plus qu'à la centrer, donc on va encore faire des petits calculs. Alors j'avais déjà commencé à écrire les calculs nécessaires. J'ai besoin de la taille de la grille.
On peut appeler ça, pour que ce soit plus clair, grid width, grid height, et de la taille de la surface. Et donc au lieu de commencer à 0, 0, il faut que je commence à DST with sur 2, donc la moitié de l'écran, moins la moitié de la grille. Vous êtes d'accord? Alors comme la ligne est déjà assez longue, je vais quand même séparer en deux lignes. Et comme je fais, ça c'est le DSTX, DSTY initial, et après je fais que les incrémenter. Ah oui, alors là par contre, faut pas remettre à 0, faut remettre à la valeur qui était ici. J'ai dû me planter. Ça a légèrement bouger vers la droite. Ah oui, attendez, c'est moins grid width sur 2 et grid height sur 2. Ok, donc j'ai... Ah oui. Ah. Ça, c'est quand vous dupliquez du code. Je me suis tout de suite fait punir. Hein. Je me suis dit, allez, c'est bon, je duplique du code. Je vais pas mettre ça dans une variable locale. En fait, j'aurais dû. On va dire... initial comme ça, et puis là au lieu de répéter le même code, je vais remettre, je vais réutiliser ma variable initial dstx. Ok, on va y arriver. Je trouve, moi, c'est quand on fait un menu d'inventaire, c'est limite ça le plus pénible. Après, le reste, c'est plus rigolo parce qu'ensuite, on va pouvoir afficher des items. Et ensuite, faire un curseur. Alors, comme ça fait déjà 17 minutes, on va bien sûr pas pouvoir tout faire en un seul épisode. On va découper un petit peu plus. On va quand même afficher les items. Donc, on peut faire un petit tableau qui dit quels items on a envie d'afficher. Donc, nous, jusqu'à présent, on n'a pas énormément d'items équipables. On a la Life Potion et l'arc. Donc, on va commencer par l'arc, on va dire, vu que c'est un item plus important. Life Potion, et puis c'est tout pour l'instant. Alors ce qui serait pas mal, c'est de mettre tout ce code dans une fonction à part qu'on pourrait appeler draw grid, donc dessiner la grille sans les items. D'ailleurs on peut la mettre en dehors si on veut. Local function draw grid. Alors j'ai tout mis dans mon... J'ai fait un copier-coller en fait. Faut pas que je me plante parce que sinon je perds tout. Enfin après j'aurais pu annuler. Voilà. Un petit commentaire. On dessine le fond. Donc les cases sans item pour l'instant. On pourrait faire un truc plus beau avec un vrai fond, quelque chose de dessiné comme dans certains autres jeux. Vous pouvez aller voir comment c'est fait dans nos autres jeux. Il y a à peu près pas de jeux pareils au niveau de l'inventaire. Ok. Donc on a dessiné la grille et puis on va faire une autre fonction qui va dessiner les items. Alors c'est parti. Fonction locale à ce fichier. Quelque chose comme ça.
Et donc là, on va traverser notre table là-haut. Donc for underscore item name in hippers de item names. C'est comme ça qu'on traverse un tableau en Lua. En fait, l'itérateur ici nous retourne à chaque fois deux éléments. L'index, donc. Là, en fait, je vais en avoir besoin. On va le prendre. Donc ça va être 1 pour le premier, j'arrive pas à écrire le mot index. 2 pour le deuxième et ainsi de suite. Et puis item name, bah, c'est la valeur qui est là. Donc on aura besoin d'afficher le sprite de chaque item. À condition que l'item soit possédé par le joueur. Donc déjà, on va regarder. On va récupérer l'item. Game. Alors, sauf que game. Je l'ai pas. Il va falloir que je le passe comme ça, par exemple. Puisque je l'ai ici dans la fonction create. Alors, si vous voulez, on pourrait le stocker dans le menu lui-même. Au lieu de le passer en paramètre à chaque fois. Ah oui, mais là je suis dans une fonction qui est même plus dans le menu. Ok, bon. Il y a plein de façons de faire, vous faites comme vous préférez. Game get item. Voilà. Item name. Donc si on possède l'item, donc on peut appeler has variant, sous-entendu au moins la variante numéro 1, alors on va faire quelque chose, on va dessiner l'item. Item sprite set animation. Donc vous savez l'item, j'ai pas encore créé ma variable là, mais ça va être le sprite entity slash item, celui qui a toutes les animations de tous les items. Donc par exemple si pour l'arc, il faut prendre l'animation qui s'appelle bow. Set animation. Bah non pas bow mais item name et puis set variant set direction pour les items qui ont plusieurs variantes bah ça va être le numéro de variante moins 1 parce que la variante 1 correspondra à la direction 0 ce qui veut dire qu'il me faut une variable qui s'appelle variant. Et comme je l'ai déjà, j'ai plus besoin d'appeler cette fonction. Je peux dire if variant supérieur à 0. Et maintenant que mon item sprite est prêt, alors j'ai quand même pas créé, mais je vais le créer, vous inquiétez pas, faut pas que j'oublie. Je peux le draw sur DST surface. Et alors la question c'est à quelles coordonnées? On va créer des petites variables DSTX, DSTY. Il va falloir refaire des calculs similaires à ce qu'on a fait là-haut. Ok. D'abord, on va créer le sprite. Sol.sprite.create entities slash items. Ok. Alors, juste pour tester une première version. Je vais dire DSTX, DSTY égale 0, 0. Donc là, ça va s'afficher tout en haut à gauche, nos deux items. Bon, pour l'instant, je les ai pas, donc ils s'affichent pas. Voilà, on a l'arc qui s'affiche là-haut. Que un bout de l'arc d'ailleurs, que le bout en bas à droite de l'arc qui s'affiche parce que le point d'origine, vous savez, il n'est pas en haut à gauche, il est en 8, 13 par convention. Donc. Le point 0,0 de l'écran, il correspond à ce point-là. C'est pour ça qu'on ne voit que ce petit bout. Alors, de toute façon, ce n'est pas les bonnes coordonnées. Il faut. Tiens, on va. Ces deux variables-là. Je sais ce qu'on va faire. On va
On va mettre tout ça, on va conserver tout ça au chaud ici. Par contre, on ne connaît pas encore DST surface, mais en fait, ça sera toujours sol.main.getQuestSize, la taille de la quête, qui ne peut pas changer en cours de route. Donc voilà, j'ai mis initial DSTX, DSTY. Du coup, ça va me simplifier mes calculs. Alors, sauf que là, ah oui, index. Ouais. Donc, à la fin de chaque passage de la boucle, si index est égal à la fin de la ligne, alors pour savoir ça, il faut faire un modulo. Si index modulo le nombre de colonnes est égal à... Alors attendez, parce que ça va être égal à 1, 2, 3, 4, 5. Égal 0 en fait. Alors on change de ligne. Donc c'est ce code-là. On change de ligne, on remet x à 0. Et sinon on change juste de colonne. Je me suis peut-être planté, on verra. Sinon on change juste de colonne. Donc quand index égale 5, index modulo 5, ça fait 0. Ouais, donc c'est bon. Je pense que c'est bon. De toute façon, on verra pas s'il y a une erreur parce que... comme j'ai que deux items, j'ai rien qui va s'afficher sur les lignes suivantes. Alors, then expected near égale ligne 50, j'ai dû faire une erreur de syntaxe. Ah oui, c'est égal égal. Non. GetQuestSize n'existe pas. Ah, c'est sol.video de mémoire. C'est... Oui. Sol.video.getQuestSize. Alors, je pense que ça peut marcher, on va voir. Faut quand même que je prenne l'item. Voilà, il s'affiche bien, mais pareil, j'ai oublié d'ajouter l'origine. Je crois qu'il doit y avoir une fonction sprite get origin ou alors drawable get origin. Peut-être sprite. Ouais, sprite get origin. Alors théoriquement l'origine peut être différente pour chaque item, donc il faut la redemander à chaque fois. Origin X, origin Y égale item sprite get origin. Donc 8, 13 la plupart du temps. Donc si on affiche à DSTX, je bug là, moins ou plus? Plus. Oui, plus bien sûr. Alors sachant qu'il y a une petite marge parce que notre square size fait 24, mais les items ils font... ça sera un curseur pour plus tard, mais les items ils font 16 sur 16. Donc en réalité on peut faire plus 4 encore. On va appeler ça item margin. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout ça à la trace. Faites votre propre menu d'inventaire. Margin, pardon.
le mettre là. Oula. Alors peut-être qu'on pourrait même le calculer au lieu de le coder en dur égale 4. Ouais, j'ai mon arc qui s'affiche. Ça y est, ça fonctionne. Et si j'ai aussi la potion de vie, elle s'affiche aussi. Alors, on va s'arrêter pour ce tuto parce que ça fait déjà 30 minutes. Mais comme futures améliorations... Enfin, plus que amélioration, il faudrait... Parce que on n'a pas fini du tout. On va mettre un curseur. On va faire en sorte qu'on puisse assigner l'objet sélectionné à une des deux touches d'item. Et puis aussi, on va afficher le compteur d'item. Là, on a affiché que le petit sprite de l'item. Mais quand c'est un item avec compteur, comme l'arc et flèche, et comme la potion, eh bien, ça serait bien d'afficher la quantité. Ok. J'espère que ce tuto vous a appris des choses et va vous mettre sur la piste de comment faire un menu d'inventaire ou plus généralement un menu de pause. Comme je le disais au début, c'est game on paused et les game on unpaused qui peuvent déclencher ça. Et puis après, vous affichez votre menu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur notre Discord. Il y a toujours du monde pour vous aider. Et on se retrouve bientôt pour la suite du menu d'inventaire. C'était Christopho et c'est tout pour le moment.